Salut, 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 salut! Comme si notre centaine de kilos ne suffisait pas, on va rajouter une couche. Le but du jour, ça va être de créer une coque. Donc rajouter une épaisseur, une carapace, en faisant allusion à la coquille de noix. Pour ça, je dois avoir la bonne face de la sculpture en face de moi. Je prends la barre à mine et je retourne mon petit béton. Hop, tout ça en douceur et dans la bonne humeur. J'empile quelques blocs de polystyrène pour économiser du béton et réduire la charge de la sculpture. Je bloque ça avec du grillage, le fer aura double fonction. Une, d'armer le béton, et de deux, de maintenir en place les blocs de polystyrène qui sont ultra légers et qui ont la fâcheuse tendance à remonter à la surface ou à s'échapper à la moindre occasion. J'utilise un béton grossier que je dispose à la truelle par projection et par poussée. Le but est d'obtenir un petit dôme que je peux retravailler et texturer. Et voilà, j'ai fini de texturer la surface, il faut maintenant attendre que ça durcisse, après je retourne et j'attaque la patine. Voilà à quoi ça ressemble d'un peu plus près. Quelques morceaux de grillage sont apparents, mais ils seront soit découpés à la fin de la réalisation, soit recouverts d'un bourrelet de mortier. La petite pointe de la coquille de noix a été faite sur un bloc de polystyrène que je retire quand c'est sec. Pour donner une petite couleur au béton, j'utilise une patine rouille à base d'acide chlorhydrique, sur la zone de la coquille bien sûr. Je retourne de nouveau ma sculpture pour avoir accès à la partie figurative. Alors pour obtenir le vert que vous voyez tout autour, j'agis de la même manière qu'avec la patine précédente. Mais cette fois-ci, la patine vert de gris est obtenue à partir de cuivre. Maintenant que ma pièce est parfaitement sèche, je vais poser un vernis. Il va rendre ma pièce totalement étanche et éviter qu'elle s'abîme pendant les intempéries. Poser un vernis bouche les pores du béton et il permet d'éviter que celui-ci n'explose ou n'éclate lorsqu'il gèle.
Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt dans une autre. Ciao, ciao. Vous êtes de plus en plus à me retrouver sur les réseaux sociaux. Merci à vous qui avez passé la barre des 1000 sur Facebook.